Blanc, c'est du vent faible ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est variable, une température extérieure qui est relevée à 18 degrés, une température de l'eau qui est elle à 20 degrés. Une marée qui est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 12h55. Coefficient 908 sur ce début du descendant, le vent est très faible nord-est, moins d'un beaufort, le plan d'eau est lisse. Et on a cette houle qui est longue avec 10 secondes de période orientée ouest-nord-ouest multipique qui est à la hausse, puisqu'il y a un déferlement régulier à la hauteur de 70 à 80 cm, et sur les séries, il y a un mètre, à des fois un bon mètre. La marée descend, ça commence à déferler, une houle multipique qui déferle en faisant des pics qui se rejoignent. Sur les meilleures bandes de sable, ça arrive à ouvrir un petit peu. Les faces de vague sont lisses, les épaules sont molles, la houle est agitée, les zones de déferlement sont imprécises, mais dans le tas, il y a quand même de quoi glisser. Pas mal de monde à l'eau, des vagues qui sont faciles d'accès, pas trop méchantes, pas de courant. Voilà, un mètre, un bon mètre sur les séries, des vagues en pic qui se rejoignent, un peu mou, il y a de quoi faire. Il y a du surf et de l'action, évolution pour le reste de la journée, un train de houle stationnaire, du vent qui va se lever un petit peu, onshore, mais a priori pas trop fort à confirmer. La bouée cachon est à 1,67 secondes, on attend à 13h80 cm, 1 mètre, houle ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord à 1, beaufort. Et à 17h, encore 80 cm, 1 mètre, houle ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-ouest à 2, beaufort. Il y a du surf et de l'action toute la journée. Attention au créneau de marée haute, gros coefficient ce soir, ça risque d'être inconsistant. Prochain point, 11h30, à tout à l'heure.